Et salut à tous, c'est Kozak. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ghost Recon Wildlands. On va faire l'opération Oracle. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc il n'y aura pas de parties séparées. Donc voilà, ça sera tout direct. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à Y a un jour, liker, c'est le à team, quoi. partager, à commenter Et là, et à c'est vous Wildlands. abonner pour me soutenir. C'était Kozak et paye tout le monde. Et bon visionnage. Victoria siempre. Nomade, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai envoyé un colis. Je t'envoie les coordonnées. Quand tu y seras, appelle-moi. Tant que le cartel avait une base à Montouyoc, on avait l'impression de vivre en territoire occupé. Quand elle a explosé, toute la ville a fait une fête du tonnerre. Vous auriez dû y être. Bowman, on a trouvé le colis. J'ai la carte d'accès. L'Unidad détient un ingénieur de haut rang de chez Skelltech. Tu t'en doutes, il a des secrets industriels américains plein la tête et on voudrait qu'il reste secret, tant qu'à faire. L'Unidad l'a consigné dans un centre de recherche souterrain. Cette carte devrait ouvrir la porte de sécurité. L'emplacement du site en question est reporté sur ta carte. J'ai besoin de ton équipe et toi sur place. Retrouvez-le et sortez-le de là. C'est dans vos cordes? Une simple extraction, c'est comme si c'était fait. Évite de trop t'avancer. Fais-moi signe quand on aura retrouvé l'ingénieur. Bowman, terminé. On dirait qu'un ingénieur de chez Skelltech s'est aventuré un peu trop loin de chez lui. Et l'Unidad lui a mis le grappin dessus. Il faut qu'on le récupère avant qu'il déballe tout ce qu'il sait. Skelltech? La société high-tech fondée par Jay Skell? Qui ça? L'un des hommes les plus riches et intelligents de la planète, rien que ça. C'est sûrement Skelltech qui a conçu la moitié de notre équipement. S'il est aussi pété de thunes que ça, pourquoi il a besoin de nous pour rattraper ce merdier? On va plutôt s'estimer heureux qu'il nous ait pas déjà remplacés par des robots. C'est sûrement l'entrée. Ce genre de rendez-vous, ça fait un peu amateur de la part de Soigno. Ça fait tellement genre le coup fourré de base. Je croirais presque qu'il est sincère. Arrête. Attends. Mais où est-ce qu'on est, là? C'est gigantesque. Des gardes en visuel? Non. Et ça me rassure pas. Ouvrez grand les yeux. Il y aura sûrement des civils. Évitez d'arroser à tout va. Quelqu'un s'est déjà pointé avant nous. Restez en alerte. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques sont encore en vie. Ils sont dans les vapes, mais vivants. Il n'y a que les soldats de l'Unidad qui se sont fait buter. Celui qu'on cherche est sûrement encore en vie. Et on le retrouve comment dans tout ce bordel? À ton avis, on cherche. Des munitions de gros calibre. Ces types-là sont pas venus pour rigoler. On n'est pas seul. Silence. Merde. Walker? Qu'est-ce que tu fous là? Bowman m'avait pas dit que tu serais là. Normal. Les petits chefs dans son genre savent pas que je suis là. Tu fais du tourisme? Un safari. Oh, c'est quoi le gibier? Un ingénieur, un haut gradé de chez Skelltech. Daniel Rodriguez Arellano.
Il a accès à certaines technologies, du genre que notre gouvernement refuse de partager. Mais voilà, ça fait un bout de temps que Daniel vit en Bolivie. Ça m'étonnerait qu'il soit là pour mater le paysage. Il fourgue ses secrets à l'Unidad. Et lui et moi, on va avoir une petite discussion. La mission que nous a donnée Bowman, c'est de le sauver de l'Unidad. Écoute, je vais pas te la faire à l'envers et je vais jouer carte sur table. Bowman, c'est elle ma véritable cible. Elle est au courant pour ses combines, mais elle le couvre, ce petit fumier. Qu'est-ce qu'il fait pour eux ? C'est leur informateur chez l'Unidad. Ça doit être des putains de secrets pour que tu sortes des clous comme ça. Faut croire. Putain, les voilà. Relève-le. Ok. Kayate, si tu veux sauver ta petite gueule, tu me suis et tu fais ce que je dis. Allez, bouge. Walker nous a laissé de quoi s'amuser. Allez, on s'y met. Puta madre! C'est qui ce type? Si tu veux vivre assez longtemps pour le savoir, reste à couvert. Los enemigos siguen se... Tenemos fuerzas hostiles en el área. Preparen el ataque. Todas las unidades, comiencen el ataque. ¡Comencé a alinear ese fumier! Ennemi en vue! Je suis pas fait pour ça. En position, feu! Bien sûr. Encore médecin de ces quatre. Tu m'étonnes. La prochaine fois, je rapporte un plus gros calibre. Et moi, plus de grenades. Frag lancé. Attention les yeux. Contact! J'engage! Lancé, comme une merde à culeros. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance.
Concentrez-vous, on a de la compagnie. Reviens, tu vas dire voir. On s'est fait repérer. Ils sont en alerte. Comiencen el ataque. Et merde, ils nous ont bloqué la sortie. Embarquez l'ingénieur et sortez-le d'ici. Et toi, oublie pas ce que je t'ai dit. Attention à qui tu fais confiance. Et toi, tu fais quoi? Je vais les retenir. Tu me revaudras ça la prochaine fois. Sûr, ils sont un paquet. Et puis ça me ferait chier de te devoir quelque chose. J'ouvre le feu. J'attaque l'ennemi. Sniper, tout le monde a peur, t'es chier, on a un sniper. Putain, merde. Vague lancée. Plus aucune cible sur zone. Ça a chier de tous les côtés. T'es au-dessus de tes forces, hein? Quand il faut se battre, tu fais ça à personne d'autre. Ouais, c'est pour ça qu'on me paie. Allez au bout de la mission. Escortez Daniel jusqu'au point d'exfiltration. Je reste en contact. Des limites visibles, là, recule. On est au calme. C'est moi qui pilote. Tu nous fais 2-3 dérapages, qu'on rigole? Bowman, on tient le colis. Ça se passe où pour la livraison? Bon boulot. Vous en avez pas trop bavé, j'espère. Attendez. Bowman? Karen Bowman? Tu connais ce type? Escortez-le jusqu'à la planque. Je vous transmets les coordonnées. C'est là qu'on se sépare, amigo. Fais attention à toi. Bowman, ici Nomad. On a livré le colis. Nickel. Laissez-le au refuge. Je prends le relais. Bon, on reprend le cours de la mission? Tu te rappelles? Sauver le peuple bolivien du cartel de la Santa Blanca. Ouais, j'ai la sulfateuse qui me démange. Pas encore. J'ai un étrange pressentiment concernant Bowman et cet ingénieur. Allez, on se bouge.
J'exécute. Il y a des ennemis dans le coin. Le drone a décollé. Je désigne un ennemi. Il a des civils à côté de lui. La cible. Attention aux environs immédiats. Tu les mets sur écoute ? Nomade, envoie le drone. Je m'en charge. Caligne, je vais bien, je te promets. Ceux qui m'ont sauvé, ils... Bref, ça ne change rien. Quelqu'un va bientôt m'amener à l'aéroport et me faire sortir de là. Dis aux enfants que papa va bien. On se retrouve à Oroa. Est-ce que tu es sûr de toi? Une île au beau milieu de nulle part? Après tout ce qui s'est passé, tu veux vraiment vivre sur l'île de Troubadour? Claro que si, Caligne. Gis, Skell et Skelltek ont tout prévu. Tout va bien se passer, tu verras. Il faut que j'y aille. Je t'appelle dès que je peux. Te amo, mi amor. Depuis quand Oroa appartient à Jace Kell? Ça t'arrive d'ouvrir un journal? Attendez, il passe un autre appel. C'est moi. Je suis au refuge. Il faut qu'on se voit, maintenant. Je connais un endroit, une ferme. Je t'envoie les coordonnées. Traîne pas en route. Et débrouille-toi pour ne pas être suivi. C'était Bowman au téléphone. C'est quoi le rapport entre la CIA et Skelltek ici en Bolivie? J'en sais trop rien. Mais ça vaut le coup de chercher. Nomade, je crois que c'est pas de notre ressort. Je sais, mais vu ce qu'a dit Walker, je peux pas faire comme si de rien n'était. Walker, ici Nomade. On a surpris un échange radio entre Bowman et l'ingénieur. Ils ont prévu de se rencontrer en personne dans une ferme, seul à seul, sans aucune escorte. Je t'avais bien dit de te méfier d'elle. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Je veux savoir de quoi ils vont parler. D'abord, j'ai quelque chose à te montrer. Je te transmets les coordonnées d'un aérodrome où on pourra se rejoindre.
Que pasó? D'après ma tante, depuis que vous avez gâché la fiesta del Chido, la Santa Muerte aussi a retiré ses billes de Malca. Pour le plus grand bonheur des parents et des seigneurs. Ça fait un max de loupiote et de boutons. Vous êtes là. Je vous présente mes hommes. Où est-ce qu'il en reste? Désolé. L'Unidad les a traqués avec un drone de surveillance ultra sophistiqué. Un drone qui embarque une technologie que leur a fourgué cet ingénieur, Daniel. Bowman n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que si. Et la CIA est mouillée jusqu'au cou. Ils ont protégé ce fumier alors qu'il trafiquait avec l'ennemi. Des hommes à nous sont morts à cause de lui. J'envoie mes hommes au bercail, mais moi je reste ici jusqu'à ce que justice soit faite. Ok, c'est la merde. Mais avant de penser à se venger, il faut qu'on sache de quoi il va être question à ce rendez-vous. Y'all are ghosts. Top-tier operators, the quiet professionals. Bravest of the brave, tip of the spear. All that and a bag of chips. But even a bad motherfucker needs help once in a while. Good thing for you. I'm a ghost too. Il y a des fermes de partout ici. On va faire comment pour savoir laquelle c'est? Vous croyez que j'aurais laissé filer cet ingénieur sans avoir les moyens de le retrouver? Je lui ai collé un mouchard, juste avant de vous le confier. Il n'y a plus qu'à suivre le... Fais chier, l'Unidad. On dirait qu'ils ont bouclé toute la zone. Si ça, c'est pas une embuscade. Bowman est peut-être dans la merde. Je capte le signal du tracker. Ça vient d'une baraque. Par là. En plein milieu des soldats de l'Unidad. Allez, faut qu'on s'y mette. Reçu. Je relais les coordonnées ennemies. Hélico de l'Unidad en patrouille. Attention. Bowman n'est pas là. Par contre, Daniel a l'air plutôt à l'aise avec ces connards. Pour Bowman, ça veut dire quoi? Je dirais que ça sent pas très bon. Et merde! Espèce de sale enfoiré. On s'est fait repérer. Ok, du con. Je te laisse une chance de me donner la bonne réponse. Où est Bowman? Où est Karen Bowman? Je l'ai livré à l'Unidad. Lo siento, je n'ai pas eu le choix. Il m'aurait jamais laissé quitter le pays sans cette monnaie d'échange. Por favor, tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Où est-ce qu'ils l'ont emmené?
à la base fortifiée Jaguar de Flor de Oro. Pitié, je vous jure, je n'ai pas eu le choix. Je suis pas fait pour ça, moi. Je suis juste un ingénieur. Je peux intervenir? Je t'en prie. Il était américain. Ouais. Et il a trahi son pays. Maintenant, il faut qu'on retrouve Bowman avant qu'elle déballe tout ce qu'elle sait. Me dis pas que tu t'inquiètes pour Bowman. J'en ai rien à foutre de Bowman. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger ce qu'elle a dans la tête. Elle connaît l'identité de ma famille. Et de la tienne, peut-être. C'est sûr d'infos que la Santa Blanca paie très cher. On y va. C'est bon. Bowman et la CIA jouent un jeu dangereux depuis beaucoup trop longtemps. Ils se font leur trip aux quatre coins du monde, et quand ça part en couille, c'est aux petits soldats comme nous de rattraper le coup. D'abord, on récupère Bowman. Ensuite, on verra ce qu'elle a à dire pour sa défense. La base est gigantesque. On va en chier pour trouver Bowman. Tu lui aurais pas collé un mouchard, elle aussi. J'en pose pas sur n'importe qui. Pas la peine de regarder dans tes poches. Il faut qu'on aille jeter un œil sans attirer l'attention. Si on se fait griller, on risque de mettre Bowman en danger. Je vais fouiller les avant-postes au nord. Vous prenez la base principale. Ok. Fais-moi signe si tu trouves quelque chose. Un soldat de l'Unidad solo, juste à côté du mortier. Bien reçu. Un sniper en haut de la tour. Là, on est repéré. Fuego enemigo. Abajo, abajo, todos pecho a tierra. Enemigos en posición vulnerable. Mantengan su posición para abrir fuego. Comiencen el ataque. A la vista, coordinando el ataque. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. ¡Gracias!
fuerzas enemigas en posición para mandar ataque, solicitando fuego de apoyo. ¿En qué dirección se fueron? Officier Lunidad en visuel. Il saura peut-être où trouver Bowman. No hay actividad enemiga en la última posición conocida. Intentando retomar contacto. La prisonnière américaine. T'as intérêt à me dire où elle est ou je te fais des trous d'aération dans le crâne. Qu'est ? Une américaine ? Si, Culero. La quarantaine. Les cheveux blonds. Je l'ai vue. Je sais où elle est. Je vais vous montrer sur la carte. Walker, on a la position de Bowman. Je te relais les coordonnées. Mais fais-moi plaisir. Attends qu'on arrive avant de tenter quoi que ce soit. Relax. Je vais m'en tenir au protocole. El reporte indica que no hay signos del enemigo. Todas las unidades pueden retirarse. Un soldat de l'Unidad. Il a un pistolet mitrailleur. À l'entrée du camp. Ennemi repéré. Bowman. J'ai failli attendre. Cette espèce de sauvage refuse de m'enlever les menottes. Ah bah, vous êtes arrivé juste à temps. Ça commençait vraiment à urger. C'est pas tout à fait un sauvetage, Bowman. Si je suis là, c'est parce que j'ai des questions à vous poser. Mais de quoi il parle ? Plus tard. Faut qu'on y aille. Qu'est-ce que t'attends pour me donner une arme ? Walker a des questions et j'ai besoin de réponses. Ça fait combien de temps qu'on sert ensemble ? Plus tard. Je marque l'emplacement d'un refuge sur la carte. On causera là-bas. Laissez-moi deviner. C'est l'ingénieur de Skelltek qui vous a fait remonter jusqu'à moi. Et là, vous vous triturez le cerveau pour savoir ce que je trafiquais. Je sais déjà ce que vous trafiquez. Je l'ai vu de mes yeux. Alors comme ça, vous avez tout compris. Le pourquoi, le comment, tout. On parlera quand on sera arrivé au refuge. Bon, ok, on a assez joué. C'est quoi ce bordel ? Eh bien, vous trempez dans un trafic de secrets d'État que vous revendez ensuite à l'Unidad. Sûrement pas, j'ai rien volé, je n'ai fait qu'aider un espion. Un espion ennemi. Attendez. J'étais censé le protéger pour garantir les intérêts américains en Bolivie. Et les intérêts du peuple bolivien. Arrêtez vos conneries. Et la loyauté envers votre pays. Vous auriez dû tuer cet ingénieur à la seconde où vous avez su qu'on l'avait retourné. Si vous couvrez un type pareil, qu'est-ce qui vous empêche de vendre des informations vous-même ? Je vous emmerde. J'avais des ordres et j'ai obéi. Ces ordres ? Vos ordres, vos putains d'ordres ont fait tuer mes hommes. Ils ont aidé l'ennemi. Alors vos ordres, vous pouvez vous les carrer où je pense ! Walker, la morale, c'est pas notre métier. On fait le sale boulot, c'est pour ça qu'on nous paie. Chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir se regarder dans le miroir. Au moins, je sais de quel côté je suis. Écoutez,
Je suis désolée pour vos hommes, sincèrement. Je fais comme si c'était moi qui menais la danse, mais en fait, non. Je fais ce qu'on me dit de faire. Connerie. C'est vous qui avez le commandement opérationnel, c'est vous qui décidez du déroulement des missions. Tu sais comment ça se passe. C'est foireux comme situation. Au moins Bowman s'en cogne pas. Tu lui fais confiance? Faut bien se fier à quelqu'un. Ok. Alors je te fais confiance à toi. Et à elle, pour l'instant. Vous avez intérêt à faire gaffe, Bowman. Vous me devez la vie de deux de mes hommes. Et si vous déviez ne serait-ce qu'un peu du droit chemin, je serai là pour recouvrer cette dette. Eh bien, ça c'est fait. Merci d'avoir pris ma défense. Walker est un bon chef d'équipe. C'est normal qu'il se préoccupe de ses hommes. S'il faut choisir entre la mission et ses amis, on choisit la mission. Ouais, bon, ça m'étonnerait que Walker soit de cet avis. Oui, ben, mira, la révolution vencera. Approximate.